Monsieur le ministre, cher public, bonsoir et bienvenue à cette conférence organisée par Symposium. Monsieur Mounir Majoubi, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours pour le moins inspirant. Vous êtes né à Paris, d'une famille ouvrière originaire du Maroc, et avez grandi dans le 12e arrondissement de Paris. Dès l'âge de 13 ans, vous manifestez déjà votre attrait pour l'innovation et le numérique. Vous remportez ainsi le concours des jeunes inventeurs de Sciences et Vie Junior, 96, grâce à une idée toute simple, directement inspirée de vos cours de mathématiques, un camembert avec une languette pivotante permettant de mesurer des angles. Avec les 5000 francs gagnés à ce concours, vous vous achetez votre premier ordinateur. À l'époque, vous rêviez professeur de mathématiques ou ingénieur, mais vous n'aviez alors qu'à moitié raison, car à votre passion pour le numérique va s'entremêler votre engagement politique. À l'âge de 16 ans, vous commencez à travailler le week-end à Club Internet, deuxième fournisseur d'accès à Internet en France. C'est alors le début d'Internet et ce monde plein d'innovations permanentes vous passionne. En 2002, vous avez 18 ans et c'est là que commence votre engagement politique. Vous rejoignez le PS et devenez dans le même temps délégué syndical à Club Internet. Cela n'est sûrement pas au détriment de vos études, car vous commencez la même année des études de droit à Panthéon-Sorbonne. Entre 2006 et 2009, vous étudiez à Sciences Po Paris pour obtenir un master en stratégie et finances, mais ce n'est pas tout. Vous connaissez aussi l'expérience de l'entrepreneuriat quand vous lancez FairSense, une start-up de commerce de stickers haut de gamme. Cette start-up sera un échec, mais loin de vous décourager, ce sera surtout une très bonne expérience pour vos futurs projets. Dans le même temps, vous engagez aux côtés de Ségolène Royal et participez ainsi à la création du mouvement Ségosphère. En 2009, vous travaillez 9 mois à L'Oréal et vous comprenez que vous n'êtes pas fait pour un grand groupe et pour être salarié. Vous vous relancez donc dans l'entrepreneuriat en créant Monier et Simon, une agence de communication et d'innovation. Vous allez progressivement abandonner ce projet pour fonder en 2010 une start-up qui va réussir, La Ruche qui dit oui, une plateforme de vente de produits locaux en ligne. En 2016, François Hollande, dont vous avez piloté la conception et la réalisation du site web de campagne, vous nomme président du Conseil national du numérique. Fort de votre expérience dans le numérique, vous créez également en 2016 la société French Bureau, une start-up qui accompagne des groupes industriels dans l'innovation numérique. Cette adaptation nécessaire des entreprises au numérique est un enjeu majeur que vous porterez entre autres en devenant conseiller stratégie numérique d'Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Il vous nommera ensuite secrétaire d'État au numérique en 2017, après votre victoire aux législatives en 2017, face au premier secrétaire de votre ancien parti. Un parcours inspirant, donc, où se mélangent plusieurs fils directeurs, le numérique, l'entrepreneuriat, la politique. Un parcours que nous avons hâte de découvrir plus en profondeur pendant cette conférence. Merci encore, Monsieur le ministre, d'être présent avec nous ce soir, et bonne conférence à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier encore Monsieur le ministre de sa présence aujourd'hui et je vous remercie également de très très nombreux dans cet auditorium. Tout d'abord, Monsieur le ministre, on vous a vu très récemment à BPI France. Comme Thomas disait durant son discours, vous êtes un entrepreneur de longue date. Aujourd'hui, en France, on a l'un des plus grands incubateurs d'Europe avec la Station F. Malheureusement, il est encore vide, en partie. Est-ce que l'entrepreneuriat ne fait pas partie des mœurs français? Et qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur et en tant que ministre, vous auriez à dire à cette pléthore d'étudiants et peut-être futurs entrepreneurs? Merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, d'abord, je dois vous dire que j'ai jamais été face à un amphi d'étudiants aussi nombreux. C'est impressionnant. Non, vraiment. Les secs, il y avait un tiers de vous. Et je vais à Sciences Po demain, je pense qu'ils ne seront pas aussi nombreux. Ça marche toujours. Parmi vous, ceux qui est ici, qui est certain déjà aujourd'hui qu'il a envie de créer une boîte un jour? Bon, alors j'ai utilisé le « certain aujourd'hui ». Qui se dit que ce serait peut-être, pourquoi pas, si toutes les conditions sont réunies, un truc intéressant? Bon, la différence entre les deux, c'est le niveau d'acceptation du risque.
dans le parcours, et je vous remercie vraiment du récit que vous avez fait de ma vie, ça semble extrêmement impressionnant, mais c'est parce qu'on ne raconte pas tous les petits accidents, on ne raconte pas tout ce qui n'a pas bien marché, on raconte ce qui se raconte facilement. Mais ça prend 10-15 ans quand même, tout ce qu'il a raconté là. C'est pas... Ma chance, c'est d'avoir été très frustré de ne pas pouvoir commander des stickers muraux très jeunes, et de m'être posé la question... Mais comment ça se fabrique ces trucs-là? Pourquoi est-ce que c'est si cher? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Et j'avais donc 19 ans, et je suis allé sur Internet, j'ai tapé dans Google, et j'ai regardé qu'il y avait des machines qui sont des découpeuses de plastique. J'ai cherché où est-ce qu'on pouvait en acheter une pas trop chère, j'en ai trouvé une en Chine, je l'ai commandée avec mes économies, elle coûtait 900 euros, et j'ai commandé 3-4 rouleaux, et puis j'ai commencé à imprimer mes propres stickers. Puis après, je m'étais dit, bah, je pourrais essayer de les vendre. Alors, j'ai regardé tous les frameworks e-commerce qui existaient à l'époque. J'en ai trouvé un que j'avais l'impression de pouvoir maîtriser. Je l'ai installé. J'ai bidouillé un header, j'ai changé quelques trucs, j'ai mis des produits. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai pu faire ça. J'ai rencontré quelques associés, des amis. Je leur ai dit, t'as vu, je suis en train de faire ça. Ça vous dirait d'essayer? Comme j'avais pas mal avancé, ils ont dit, vas-y, viens. Et on a lancé. Ce que je vous raconte, c'est tout le cheminement naïf qu'il a fallu à un garçon de 19 ans pour ne pas avoir peur. J'aurais eu beaucoup plus peur de faire cette même boîte aujourd'hui en me posant des milliers de questions avant d'y aller. Sauf que comme je l'ai fait et qu'on a foiré à la fin, ça c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, on a foiré à cause des humains, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'y avait consacré 100% de son temps. On avait tous fait ça comme un side project. Et en fait, une boîte, elle ne peut pas fonctionner si les gens, ce n'est pas leur projet principal. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, ça fait extrêmement peur, et vous avez raison. Dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas de revenus garantis, c'est pas encore complètement lisible dans un CV ou dans un parcours. Et pourtant, il y a une jouissance qui existe dans l'entrepreneuriat, qui est de faire exister quelque chose là où il n'y avait rien. J'avais envie de ce traceur de diagramme circulaire express, je l'ai fait à 13 ans. J'avais envie de ces stickers muraux, donc j'ai vu que je pouvais faire un site internet, que je pouvais faire de la pub en ligne, que je pouvais les fabriquer, que je pouvais les envoyer par la poste. Et ça, c'est le déclencheur de tout ce qui suit derrière. Et le message que j'aurais à vous donner, c'est il faut que vous goûtiez le délice que c'est d'avoir son premier client. Il faut que vous goûtiez le délice que c'est d'avoir les premières stats du site internet. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent tous les jours. Il faut que vous goûtiez au délice de raconter, de pitcher votre boîte et d'intéresser tous les gens autour de vous. Et il faut goûter au délice et au stress de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois, de se dire comment je vais payer mes salariés, comment je peux faire pour ne pas payer cette facture, ce qui permettra de payer celle-là et ensuite de faire ça. Le chemin de l'entrepreneur, c'est un chemin avec énormément d'anxiété, énormément de stress quotidien, de stress positif comme de stress négatif. Mais c'est une source infinie de joie. C'est indescriptible. Ceux qui l'ont été et ceux qui l'ont vécu en positif ou en négatif vous racontent tous le sentiment que vous avez chaque jour d'arriver dans le truc et de se dire waouh, on a encore avancé, waouh, ça fonctionne encore. Et ça démarre parfois dans le vent. La ruche qui dit oui, quand même, avec Marc-David Choucroune, qui était mon associé, et Guillaume Chéron, avec Marc-David, on voulait créer une start-up. En fait, on ne savait pas sur quoi on voulait la créer, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais on voulait créer une start-up. Et on est parti au Havre pendant un week-end. Il pleuvait pendant 3 jours. On était 3 jours au Havre, sous la pluie, et on se voyait, on passait les journées ensemble en disant comment on va faire la prochaine start-up. Et en fait, au lieu de se dire c'est quoi notre prochaine start-up, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on a envie de changer autour de nous. Et on a conclu qu'on avait envie de faire un truc ensemble, mais on avait conclu 2 choses. On voulait rendre l'intelligence artificielle accessible à tous, et on voulait changer la façon dont les gens se nourrissent. Au bout de quelques heures, on a compris que ni lui ni moi ne comprenions quoi que ce soit à l'intelligence artificielle à l'époque. Depuis, c'est mieux, mais... Et donc on s'est dit, c'est pas pour nous, par contre sur la bouffe, on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'après, on rentre à Paris et qu'on rencontre Guillaume Chéron, et là, la ruche qui dit oui arrive en quelques jours, en quelques semaines. Mais il faut trouver en vous, et tout le monde n'a pas forcément ça, donc c'est pas grave si vous l'avez pas tous. Mais si vous avez en vous cette espèce de passion ou de joie de fabriquer quelque chose là où il n'y a rien, de résoudre des problèmes, de partir et de surfer, allez-y. Et aujourd'hui, il y a un vrai obstacle. Si on regarde la vérité, dans tous les incubateurs, il y a majoritairement des garçons, et il y a majoritairement des garçons issus de familles plutôt aisées et plutôt issus de grandes villes. Pourquoi ? Parce que c'est tous les critères qui permettent d'accepter le risque plus facilement.
il se trouve que culturellement et socialement, on est arrivé dans une société où on fait comprendre aux filles qu'elles ont moins de capacité à absorber le risque. On est dans une société qui fait comprendre aux gens des classes populaires que le risque, leur famille en a déjà pris beaucoup et que ce serait bien qu'eux ils gagnent un salaire et qu'ils se sécurisent. Quand on vient de la ruralité ou quand on vient d'une plus petite ville, il y a aussi cette idée que conquérir par son job et par le salaire, c'est déjà un risque suffisamment important et c'est déjà un aboutissement suffisamment important. Tu ne vas pas en plus faire entrepreneur. Et c'est ce qui fait que, hier j'étais à la finale nationale de Startup Banlieue, c'est le seul événement national quand même où il y a un peu de diversité dans la salle. Sinon, je dois le dire, je passe mes journées à faire des événements French Tech avec des garçons, pas très divers, tous CSP+, et ça ressemble à ça. 90% d'hommes dans la French Tech française, plus de 80% issus de CSP+. Bon, on a un vrai sujet sur la diversité, sur la mixité dans notre secteur, mais je crois que ça passera par une transformation culturelle sur l'appréhension du risque, et je pense que votre génération peut l'affronter, même si, vous avez vu quand même, avec le test des mains levées, c'est pas si évident que ça de se dire qu'on veut être entrepreneur. Tout à fait, mais pour limiter ce risque, il y a un facteur qui est clé dans une start-up, c'est des investisseurs, alors que ce soit personnel ou extérieur. En France, en 2017, on a investi 3,2 milliards quand, aux États-Unis, au dernier trimestre, ils ont investi 17 milliards. Aujourd'hui, il y a un retard de l'investissement qui est très fort. Comment on fait pour compenser ce retard ? Depuis tout à l'heure, vous êtes dur, parce que depuis tout à l'heure, tous les chiffres que vous donnez, vous les interprétez de façon hyper négative, alors que moi, je pourrais vous les dire de la même manière. Vous vous rendez compte, monsieur Majoubi, avec près de 10 000 startups, la France est l'écosystème le plus dense d'Europe. Comment avons-nous réussi à arriver à cela ? Avec plus de 3,5 milliards d'investissements l'année dernière, on est le premier européen de l'investissement dans les startups. Comment fait-on pour être si extraordinaire ? Mais vous arrivez encore à me dire qu'on est très en retard. Parce que je voudrais qu'on fasse mieux. Je voudrais qu'on fasse encore plus. Pour aller encore plus loin, pour rattraper notre retard, pour qu'on soit les meilleurs du monde. Ce en quoi vous êtes vraiment dans la directe lignée de notre président de la République, qui nous invite à toujours aller plus loin sur ces sujets. Et c'était tout l'enjeu de notre rencontre à Station F, qui était pleine la semaine dernière avec le président de la République, qui est, qu'est-ce que c'est l'étape d'après pour l'écosystème d'entrepreneuriat numérique français ? Phase 1 de la French Tech, 5 dernières années, émergence. On avait une priorité, c'est que partout sur le territoire émergent des idées et qu'elles puissent exister. Phase nouvelle, à partir de 2018, c'est comment parmi ces 10 000 startups qui ont émergé, on en a quelques centaines qui accéléreront très vite. C'est ce qui amène à faire parfois des phrases que je dis qui sont reprises sur Twitter et après reprises par des comiques pour se foutre de moi. C'est comment on passe des startups au scale-up grâce à la French Tech et au fond... donc on va arrêter d'utiliser tous ces mots-là, mais... Comment on passe de ces 10 000 entreprises à forte croissance à des entreprises à très forte croissance et à vocation de croissance internationale ? De l'émergence à l'envol. Et ça, je crois que c'est ça notre priorité du moment. Pour ça, il faut créer la capacité pour les entrepreneurs de recruter. Et donc, on a fait des annonces importantes avec le président de la République sur la mobilisation pour qu'on ait plus d'ingénieurs diplômés chaque année, plus de techniciens diplômés chaque année et plus d'assistants techniciens, donc des bac plus 0 à bac plus 1 sur les métiers du numérique. Mais comment aussi on ouvre les portes et qu'on facilite l'immigration des talents étrangers sur les métiers du numérique. Et donc, ça va être une réalité à partir du 1er mars. Donc ça, c'était les talents. Deuxième sujet, l'argent. Et donc, on a créé deux nouveaux fonds qui vont favoriser l'investissement de tickets importants pour ces types d'entreprises, parce qu'on arrive à une phase de leur vie où elles vont plutôt essayer de lever 20 à 100 millions d'euros. Ce qui correspond à un moment où, quand vous faites ça, vous vous apprêtez à recruter quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, et c'est ce qui vous permet de passer un cap en termes de territoire et d'avoir une vraie stratégie européenne, puisque vous nous comparez la France aux États-Unis, comparerons l'Europe aux États-Unis, on sera un peu moins timide. Même moi, je vous dis, comparer l'Europe à la Chine, et ça me rend moins timide. On est un marché de 500 millions, très riche, mais on ne se parle pas encore parfaitement bien. Mais on va se parler de mieux en mieux, et c'est un des enjeux des européennes à venir. Sur la capacité de l'Europe à faire une Eurotech, à aller très loin dans la capacité à créer des géants qui auront de l'impact, je suis extrêmement optimiste. On a des secteurs aujourd'hui sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé, sur lequel on voit émerger en France et en Europe des boîtes qui ont le potentiel d'être des champions mondiaux. On voit sur des sujets liés à la cybersécurité des boîtes françaises qui émergent et qui ont vocation à devenir des champions mondiaux. Il faut qu'on ait deux avantages compétitifs. Il y en a un, c'est le talent, c'est la qualité, c'est le niveau de notre recherche publique, le niveau de notre recherche et le niveau de nos ingénieurs.
Là-dessus, on combat face aux géants et on est très bon. On a en France parmi les meilleurs ingénieurs du monde, on a en France parmi les meilleurs chercheurs du monde, et ici particulièrement... Ça va ? C'était facile. Non mais le seul indicateur, c'est regarder la pression sur les salaires et les offres qui sont faites aux étudiants qui sortent d'ici. Si le monde entier nous recrute nos ingénieurs, c'est qu'ils ne sont pas mauvais. Si on retrouve dans le top 3 de tous les labos d'intelligence artificielle du monde un Français, c'est qu'on n'est pas trop mauvais sur ces sujets. Mais il se trouve qu'on est dans une compète où il y en a plein des pas trop mauvais. Et qu'avec les Américains, qu'avec les Chinois, qu'avec d'autres, on est plutôt à un très haut niveau. Mais on a un deuxième facteur de compétitivité qui doit être très ancré en nous et duquel on doit être très fier. Ce sont les valeurs. Et aujourd'hui, le président de la République et moi-même, à chaque fois qu'on parle de l'écosystème, on dit qu'on veut créer, on veut faire de la France et de l'Europe des champions du numérique au service des humains. C'est ce qui a amené à faire cette conférence AI for Humanity, de porter dans le monde ce mouvement Tech for Good. En fait, on pense que les valeurs, c'est un facteur de compétitivité. On pense que, notamment dans des secteurs extrêmement sensibles, comme par exemple la cybersécurité, eh bien, aujourd'hui, il y a des appels d'offres internationaux, vous avez différents offreurs, et où la nationalité est un facteur de compétitivité. Dans les grands offreurs de cybersécurité, vous avez les États-Unis, vous avez Israël, vous avez la Chine, vous avez la France, et vous avez un peu l'Angleterre. Il y a plein de raisons liées aux valeurs pour lesquelles de nombreux pays dans le monde refuseront de travailler avec les trois premiers. Eh bien, nous, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens, rien que sur les valeurs, regarderont notre offre en premier. Mais si derrière, technologiquement, on ne suit pas, ça ne sert à rien. Mais il se trouve que technologiquement, on est parmi les meilleurs. Donc tant qu'on sera toujours dans cette exigence de performance, dans cette exigence de qualité, mais qu'en même temps, on aura cette exigence sur les valeurs, alors on sera pour toujours différent des autres dans le reste du monde. Il y en a qui ont mis la technologie au service du profit uniquement, il y en a qui ont mis la technologie au service du contrôle des populations, nous, on a mis la technologie au service de l'humain et de la planète. Je crois que ça peut continuer à faire que les ingénieurs à l'européenne continueront d'être considérés comme les meilleurs et comme ceux qui ont le plus de choses à dire et avec le plus de valeur. Donc ça, j'y crois très très fort. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors, on va peut-être terminer ce sujet entrepreneurial. Là, vous voyez, on a beaucoup parlé de numérique. Moi, j'avais peut-être une dernière question à vous poser au sujet de l'entrepreneuriat. Vous avez dit qu'il ne fallait pas nous comparer aux États-Unis, mais on va quand même le faire pour une dernière question. En l'occurrence, aux États-Unis, on entend beaucoup parler de SpaceX, de ces boîtes qui lancent des super fusées pour pas cher, sponsorisées par la NASA. Donc on pense à Elon Musk, on pense à Jeff Bezos qui a travaillé pour... Ça marche plus. Merci. Ah, peut-être, merci, c'est gentil. Bon, voilà. On parle de Jeff Bezos et bizarrement ça coupe. Du coup, alors Jeff Bezos, juste pour le rappel, donc fondateur de Amazon, PayPal, et aujourd'hui il s'est aussi lancé dans le spatial. On pense à ces gros entrepreneurs qui ont beaucoup beaucoup d'argent. Mais en France, quand on parle gros entrepreneurs ou personnes qui ont beaucoup d'argent, souvent c'est décorrélé. Et on pourrait se poser la question, comment ça se fait ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'aversion au risque. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ça ? Ou vous pensez qu'il y a un écosystème derrière ? Est-ce que nous, on ne pourrait pas essayer de donner justement cette inspiration à nos grands, nos personnes les plus riches de France ? Vous avez raison. Et il y a tout un sujet sur les modèles dans l'économie, les modèles de réussite, les modèles de richesse, les modèles de ceux qui entreprennent. Après, là où vous êtes dur, c'est qu'on a quand même en France des grands entrepreneurs. On a M. Xavier Niel, qui a été, après avoir fait beaucoup d'argent et continuant à en faire beaucoup, a été un des plus grands investisseurs de l'écosystème start-up en France ces dernières années. On a quelques grands groupes du CAC 40 qu'on indique comme étant des groupes du CAC 40, mais qui sont en fait le résultat de 40 ans d'entrepreneuriat de leurs créateurs et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais là où vous avez raison et là où le pouvoir politique a un rôle, vous savez, la fiscalité, elle envoie un signal sur les valeurs. La fiscalité, elle dit très fort les comportements vertueux, les comportements qu'on veut favoriser, ceux qu'on ne veut pas trop favoriser. Eh bien, nous, avec le président de la République et notre gouvernement, dès qu'on est arrivé, on avait un message. Et ce message, c'était que l'argent qui travaille et qui crée est plus important pour notre économie que l'argent qui est investi à long terme dans l'immobilier. Et donc, on a fait une fiscalité discriminante qui discrimine les investissements faits dans l'économie réelle des investissements faits dans la pierre. Les investissements faits dans la pierre sont taxés à l'ISF. Ceux qui sont dans l'économie réelle ne sont pas taxés à l'ISF. On avait un système de prélèvement fiscal sur les plus-values.
qui était, pour ceux qui ne l'ont pas connu, un système qui avait, de façon un peu simplifiée ou trop simpliste, été intégré à l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que quand vous faisiez une plus-value, c'est-à-dire que quand vous avez créé une boîte et qu'ensuite vous la revendez, ou quand vous avez investi dans une boîte et que ça a rapporté de l'argent, eh bien vous pouviez être taxé de 20 à 41% ou plus en fonction de la tranche dans laquelle vous étiez. Mais on avait tout de suite créé une centaine de niches pour éviter. Et puis on avait créé de nombreux dispositifs qui permettaient de dire, mais si vous les possédez plus de 8 ans, si vous possédez plus de 8 ans, mais que vous possédez plus de 3 tiers... Et en fait, on avait réussi à créer une super industrie pour les avocats fiscalistes. Parce que le seul moyen d'optimiser sa plus-value, c'était de prendre un expert qui vous aidait à faire votre schéma. Bon, bah là, pareil, comme nous, on veut que les gens investissent. On veut que les gens qui ont de l'argent de côté investissent dans les entrepreneurs, investissent dans les entreprises. On a fait la flat tax, 30%. Il n'y a pas besoin de chercher un avocat, il n'y a pas besoin d'optimiser, c'est 30%. Vous le gardez un an, vous gardez 8 ans, c'est 30%. Vous êtes le premier créateur, vous êtes le dernier, c'est 30%. Et comme ça, c'est facile. Et ce message, il commence à imprégner. Et donc, ça a deux effets. Ceux qui ont de l'argent en France l'investissent plus, et ceux qui ont de l'argent à l'étranger viennent l'investir en France. Parce qu'on a enfin un système très lisible. Donc, oui, il faut envoyer un message fort. Et oui, il faut dire que l'entrepreneuriat, l'entreprise, l'investissement dans l'économie, dans l'industrie, c'est supérieur à l'investissement purement financier fictif, c'est supérieur à l'investissement dans l'immobilier, parce que cet argent, derrière il y a un emploi, parce que cet argent, derrière il y a de l'innovation, parce que cet argent, derrière il y a de la recherche, parce que dans cet argent, derrière il y a de l'investissement. Et bien ça, c'est le message qui est profondément ancré dans les valeurs que nous portons dans ce gouvernement. Et je pense que là-dessus, on a été très clair. Parfois pas complètement compris, mais je pense que c'est très net et très clair dans ce qu'on souhaite porter. Et c'est une thèse, c'est une affirmation que l'on fait à l'économie. Et maintenant, à nous de voir si on se trompe ou pas. Moi, j'y ai consacré ma vie. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais une partie de ma vie entrepreneur, une partie de ma vie délégué syndical. Je viens d'une famille très populaire. Aujourd'hui, j'ai plutôt bien gagné ma vie. Et ma vie, elle est faite de ces deux valeurs-là. Je crois très fort à la sueur, au travail et à l'entrepreneuriat. Et je suis certain qu'on ne peut rien faire si on ne crée pas des sécurités collectives. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir un taux d'imposition qui est élevé. Vous savez, on a beaucoup baissé les impôts, mais on reste à un taux d'imposition assez élevé. Vous avez entendu, on parle de 1000 milliards d'euros de prélèvements par an. C'est le chiffre qui est sorti hier. Tout prélèvement confondu, donc impôts plus cotisations sociales. Bon. Eh bien, c'est élevé, mais grâce à ça, on a la santé, on a des infrastructures, on a un service public de l'éducation. Et je crois que les Français et les Européens aiment ce service public, et je crois que moi, il est une condition absolue à la réussite de notre économie. C'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver. Donner aux entrepreneurs la capacité d'avancer vite, d'avancer simplement, et en même temps créer des sécurités collectives. Et si on fait bien les choses, à la fin, on va loin. Peut-être qu'on va... On va passer à notre deuxième sujet. Donc, ce serait plutôt le numérique. Jérémy, vous avez tout à l'heure parlé de fiscalité. On va peut-être encore rebondir à ce sujet, parce qu'on a parlé de grosses boîtes. Là encore, on va revenir sur des boîtes américaines, désolé. Les GAFA. Ouais. Aujourd'hui, donc les GAFA, en tout cas, les chiffres qui ont été édités, donc c'était le Greenwich Consulting qui a sorti ces résultats-là en 2011 en France. Donc préparez-vous. Impôt sur les sociétés, GAFA, en moyenne 5%. Facebook, grand champion, 0,05%. Tout ça, c'est énormément de millions, de centaines de millions d'euros de perdus. Et on a Bruno Le Maire qui est un grand défenseur aujourd'hui depuis 2017 même, il est beaucoup à la Commission européenne, l'objectif étant non plus de taxer au niveau des bénéfices mais du chiffre d'affaires, et que chaque pays européen puisse taxer sur le chiffre d'affaires que Facebook a fait en France, que Facebook a fait en Irlande. Alors qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises font des optimisations fiscales qui leur permettent de mettre tous leurs bénéfices dans des pays où il y a une petite taxation, de manière à ce qu'ils puissent payer le minimum d'impôts. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fait un an et demi, on s'enlise un peu, Bruno Le Maire est prêt à faire quelques concessions en disant « bon, voilà, la compensation financière, on va pouvoir peut-être l'offrir à l'Irlande ». Et puis, on se pose la question, mais on sait que les GAFA sont puissants aujourd'hui. On va évoquer d'ailleurs toutes les problématiques autour de la donnée, mais est-ce qu'ils ne sont pas surpuissants? Est-ce que les États ne perdent pas, dans une certaine mesure, leur souveraineté vis-à-vis d'eux? Quelle question. Écoutez,
Moi, je crois, la raison pour laquelle les GAFA ne payent pas d'impôts, ce n'est pas parce qu'ils sont surpuissants, c'est parce que nous, les États, on est incompétents à nous mettre d'accord entre nous. Il faut quand même se rendre compte de ça. Les GAFA ont mis la pression sur personne. C'est nous qui ne sommes pas capables de nous mettre d'accord entre nous. Et c'est depuis que nous sommes arrivés au pouvoir que le président de la République, que Bruno Le Maire, nous en avons fait une priorité absolue. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Il faut quand même se rendre compte de... à quel point Google et Facebook, c'est une transformation radicale de tous les modèles qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. L'argent dont on parle, c'est la pub payée par des PME. En gros, c'est, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais c'est plus de 90% du chiffre d'affaires de Facebook en France et de Google en France, c'est les AdWords payés par les PME. Donc c'est des boîtes françaises qui payent Facebook ou Google pour que des clients français regardent leurs produits, leurs services, aillent sur leur page et ensuite achètent. Donc c'est un circuit très français. C'est des boîtes françaises ou des boîtes étrangères qui sont en France, qui veulent toucher un client français. Et donc on a un circuit qui, dans le monde physique, serait un circuit extrêmement français. Sauf que le serveur qui héberge, qui héberge le dispositif, il est hébergé moitié dans un autre pays en Europe, moitié dans un autre pays aux États-Unis. Ou il est hébergé en Europe, mais la technologie qu'il utilise, c'est la technologie qui a été développée par le siège aux États-Unis, qui va dire, écoutez, toute l'intelligence est au siège, là c'est qu'un serveur d'hébergement, et ça ne compte pas. Et là, vous pouvez avoir deux approches, une approche technique ou une approche politique. L'approche technique, elle va chercher à dire, eh bien donc, il faut que cet impôt soit juste et bien réparti, puisque le centre d'intelligence est à l'extérieur, que là c'est juste de l'hébergement, il ne faudrait pas faire trop payer d'impôts ici, donc on va faire une espèce de sandwich, le sandwich fameux irlando-camaïno-suisse, etc., et qui permet de faire des schémas d'une beauté incroyable. À titre personnel, vous savez, j'ai fait Sciences Po, mais avant ça, j'ai fait un master de droit fiscal. Moi, je trouve que c'est d'une beauté absolue, la fiscalité, et notamment la fiscalité des affaires et la fiscalité corporate, parce que c'est d'une complexité rare. Mais pourquoi on a inventé l'impôt ? On n'a pas inventé l'impôt pour faire des règles qu'on peut détourner. On a inventé l'impôt parce qu'on a dit que dans un pays donné, ça c'était avant qu'on ait une approche internationale de la fiscalité, dans un pays donné, il faut que tout le monde contribue à ce que ce pays tourne bien. Point. C'est ça la philosophie de l'impôt. C'est citoyens, entreprises, tous ceux qui avons à bénéficier des infrastructures de l'État et qui bénéficient de toutes les structures qui sont portées par l'État au nom de l'intérêt général, on doit tous y contribuer. Donc toute tentative d'éviter ça est une expression de la volonté de s'exclure du collectif national. Donc il faut trouver des moyens de fiscaliser. Et c'est ce changement de paradigme qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ces mêmes acteurs qui essaient de la jouer technico-juridico-internationalo-financiaux depuis 5 ans commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre sortie possible. Moi, je vais vous dire, si on continue un système d'évitement fiscal à 100%, on les interdira, ces sites. Parce qu'on ne peut pas renoncer à participer au projet collectif. On ne peut pas avoir 100% des boîtes françaises qui sont les clients de ces entreprises-là qui font de l'intermédiation avec des clients français et qu'elles ne participent pas à l'intérêt collectif. Maintenant, la question, c'est comment ? Parce que tout le monde, maintenant, partage ce que je viens de vous dire, hein, y compris les plus grandes de ces boîtes. Et ils disent, c'est pour ça qu'on est tous très actifs dans la négociation OCDE actuelle. Il y a en ce moment une négociation à l'OCDE qui dure depuis 4 ans, qui va durer encore, je pense, 2 à 3 ans, qui est vraiment la grande révolution. Parce qu'elle, elle ne sera pas que sur le chiffre d'affaires, elle sera vraiment sur le revenu, elle sera sur les bénéfices, mais elle le calculera d'une nouvelle façon, d'une façon intelligente, équilibrée, qui déterminera le pays où on a innové, le pays où on a créé, et le pays où est fait le chiffre d'affaires, et le pays où il a le plus d'impact économique, et où on se fait des règles de répartition entre les États du monde en se disant « Cette entreprise, elle est hébergée chez toi, mais elle opère chez moi pour 80% de son chiffre d'affaires, donc on va faire des clés de répartition internationales, etc. etc. » On va mettre encore 3-4 ans à le faire. La question, c'est, pendant ce temps-là, on fait quoi ? On accepte ou pas qu'ils aient des impôts à quelques centaines ou quelques milliers d'euros, comme c'était le cas en 2011 ? Aujourd'hui, ça a l'air un peu moins vulgaire, parce que c'est 15 millions, 20 millions, 30 millions d'euros d'impôts, mais à côté de leur chiffre d'affaires qui se compte en milliards, on ne peut pas comprendre ça. C'est peanuts, comme vous dites. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette taxe sur le chiffre d'affaires avec Bruno Le Maire. Et les autres pays ont dit, mais pourquoi vous voulez faire une taxe sur le chiffre d'affaires, sachant qu'on va avoir très bientôt cet accord fiscal international à l'OCDE ? Et là, Bruno Le Maire a répondu à au dernier round de négociation qui a eu lieu il y a quelques semaines, écoutez, on est prêt à faire une clause qui dit que dès qu'un système international sera mis en place, le dispositif que nous sommes en train de mettre en place disparaît au lendemain. C'est-à-dire au lendemain de la signature d'un accord international, cette taxe disparaît. C'est donc une taxe temporaire de transition
dans l'urgence entre aujourd'hui et le jour où on trouve notre solution globale. Et moi, je pense que c'est d'une nécessité absolue. Les pays qui disaient non, maintenant disent oui en mettant la liste de leurs conditions. Moi, j'ai toujours été pour qu'on accompagne l'Irlande, mais il y a beaucoup de pays qui étaient contre. Maintenant que l'Irlande est ouverte à la discussion, vous avez beaucoup de pays qui sont prêts à le faire. L'Irlande, c'est un cas intéressant. C'est un pays qui, il y a 10 ans, avait besoin d'arnaquer les autres pays en ayant ainsi une fiscalité alternative et attractive pour faire venir dans son pays différentes entreprises. Quand je dis arnaquer, il faut quand même que vous vous rendiez compte que l'Union européenne, c'est des pays frères qui partagent tout. On partage nos frontières, on partage nos cultures, on partage nos étudiants, on partage notre sécurité, on partage un budget commun énorme. Et pourtant, quand il s'agit des ressources, donc quand il s'agit de la fiscalité, là, on se fait la concurrence les uns aux autres. Quelques-uns décident de le faire proprement, d'autres ont décidé depuis longtemps de ne pas le faire forcément proprement. Mais comme c'était tellement plus important qu'on soit quand même unis, on s'était dit, bon, on voit bien qu'on va l'avoir, cette discussion un jour sur les impôts, mais pas tout de suite, puisque au moins on est d'accord pour faire la paix entre nous, c'est pas mal. On s'est fait la guerre pendant des décennies, là on a décidé de se faire la paix. Bon, mais on n'a pas encore décidé de se partager les impôts, mais ça va venir. C'est ce chemin-là qu'on est en train de faire, parce qu'il y a la discussion BEPS à l'OCDE, et il y a une autre discussion sur l'assiette commune. L'assiette commune, c'est au moins qu'on soit d'accord entre nous sur comment on calcule le périmètre d'imposition des entreprises et des particuliers. Ça, ça va prendre aussi 4 ans au niveau européen. Donc cette taxe, elle est facile, elle est claire. Mais cette taxe, ce n'est pas la solution à tout. Cette taxe, ce sera quelques milliards d'euros, mais moins de 5 milliards d'euros par an sur le budget total de l'Europe. Donc ce n'est pas ça qui va révolutionner tout. Ce qui va révolutionner tout, c'est une prise de conscience collective que cet impôt, il doit être intelligent et concerner tout le monde. Mais ce n'est pas le seul sujet sur la souveraineté numérique. C'est pour ça qu'en juillet dernier, on a lancé les états généraux des nouvelles régulations numériques. Il faut qu'on se pose des questions sur la concurrence. C'est quoi le droit de la concurrence à l'heure des acteurs géants? Là-dessus, si ça vous intéresse, c'est vraiment un des sujets qui, pour moi, est le plus passionnant en ce moment. C'est comment on s'assure... Le droit de la concurrence, il a été créé dans nos économies libérales en disant que l'économie libérale, c'est celle qui laisse aux entreprises et aux marchés la force de choisir quels sont les scénarios faits par chacun des acteurs économiques. Chacun est indépendant, et c'est par la qualité de son produit et par son prix qu'il est capable de se différencier d'un autre. Mais on a dit, parfois ça ne marche pas ce truc-là. Donc on va créer des règles. S'il y en a un qui, parce qu'il a des conditions réunies, empêche les autres d'exercer soit une offre de qualité, soit un prix de qualité, eh ben on va créer des obligations pour ces acteurs devenus un peu trop gros. Et on va leur dire, bah écoute, toi, maintenant que tu empêches d'entrer sur le marché cela, on va t'obliger et on va te, au nom de l'antitrust, te diviser en deux. Et on crée des voies de fer de l'Est, des voies de fer de l'Ouest, des voies de fer du Nord, des voies de fer du Sud, etc. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Europe à plusieurs reprises. Mais ça, c'est des vieux outils. Parce qu'aujourd'hui, si on pose les mêmes outils de la concurrence pour répondre à des questions de limitation de l'intensité concurrentielle, comme ça a été le cas sur Google Shopping, normalement, vu votre âge, vous n'avez peut-être jamais connu aucun outil comparatif de prix en ligne à part Google Shopping. Est-ce que vous vous souvenez de quel coût? Quelqu'un se souvient de quel coût? Les personnes dans la salle sont plutôt nées en 97-96. Oh là 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 là. Je ne suis pas sûre que ce soit de notre génération. Mais non, mais parce que quel coup, c'était de 98 à 2004, donc vous étiez très jeune. Je vais vous dire ce qui s'est passé en 10 ans. Il y avait donc un business, un secteur qui s'appelait le secteur des comparateurs de prix en ligne, qui étaient des entreprises, des startups qui proposaient des super services qui permettaient, pour tous les produits de votre vie, des moins chers jusqu'au plus cher, de comparer les prix. Ouais, c'est pas très compliqué. Et un jour, Google a lancé Google Shopping, et en lançant Google Shopping, il a aussi déréférencé tous les autres sites et outils de comparaison de prix. Résultat, quand vous tapiez le nom d'un produit, bah, vous n'aviez plus aucune page référencée sur un autre comparateur de prix, et vous aviez que les références Google Shopping. Avec les outils actuels du droit de la concurrence, il a fallu à la direction de la concurrence de Bruxelles 8 ans pour condamner. Eh bien, Google a été condamné, c'était une très très grosse amende, sauf qu'il n'y avait plus aucun concurrent, ils étaient tous morts, et ils étaient tous morts depuis 8 ans. Donc, nos outils aujourd'hui ne sont pas adaptés à la réalité de la pratique commerciale en ligne. Mais qui aurait imaginé en 2000 ou en 95 faire une loi ou un règlement qui dirait quand on est un moteur de recherche en ligne et qu'on référence quasiment 100% de l'Internet mondial, on doit respecter... Personne n'imaginait ça. En fait, la raison pour laquelle ces acteurs, moi je les aime parce que ce sont les plus grands innovateurs de notre siècle et qu'ils sont en train aujourd'hui de transformer notre monde. Mais eux n'ont qu'une seule vérité, c'est d'aller toujours devant et ne regardent pas les impacts qu'ils peuvent avoir autour d'eux.
Mais nous, étant trop lents à comprendre leur mouvement, trop lents à comprendre leur logique, on continue de raisonner avec des vieux systèmes. Et donc l'appel que je fais dans ces états généraux, donc on a réuni les régulateurs, les administrations, les acteurs du privé, y compris ces grandes entreprises, c'est on pose sur la table quelle serait la régulation la plus intelligente qu'on pourrait porter ensemble ces prochaines années pour fluidifier la concurrence, fluidifier et préparer la transformation du droit du travail et de la fiscalité et de la fiscalité sociale. Sur la fiscalité sociale et le droit du travail, il faut vraiment que vous compreniez une révolution. En France, on a fait un choix. La sécurité sociale dont on parlait tout à l'heure, elle est intégralement financée sur les salaires des salariés. Elle est financée sur les cotisations sociales payées par les salariés, à un très haut niveau, et on considère qu'un salarié doit être très bien protégé, donc il doit très haut cotiser. Les indépendants cotisent aussi, mais un peu moins, ils sont un peu moins protégés. Et puis depuis, il y a eu la sharing economy, et il y a eu l'économie du partage, et il y a eu la gig economy, et il y a tous ces nouveaux modes de travail et tous ces nouveaux modes d'emploi qui, eux, sont sous-fiscalisés, sous-socialisés et sous-protégés. Et donc, quelqu'un qui est un auto-entrepreneur et qui fait chauffeur Deliveroo, 10 heures par ici, 5 heures par là, 10 heures par ici, si tout le monde faisait ça, on ne pourrait plus payer la sécurité sociale. Et donc, il n'y aurait plus de sécurité sociale. Et si tout le monde faisait ça, on aurait un niveau de précarité générale extrêmement élevé. Donc, la question qu'on pose, c'est comment, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, on a bien un système où on continue à financer une sécurité sociale puisqu'on la souhaite. Ça, on ne remet pas en cause la question, on le dit. Notre affirmation d'origine, notre hypothèse de départ, c'est nous devons continuer une socialisation du risque de santé, du risque de retraite, etc. Excusez-moi, ce n'est pas du risque de retraite. La retraite n'est pas un risque, c'est une chance qui nous arrive à tous à un moment et qu'on doit financer. C'est tout l'objet de la loi que nous portons aujourd'hui. Mais on doit la financer. Et donc, comment ces nouveaux modes agiles et multiples de travail vont entrer ? Vous allez voir, quand vous allez commencer à travailler, certains d'entre vous l'ont déjà fait pendant leurs études, aujourd'hui on a de plus en plus de parcours où les gens sont un peu dans le public, un peu dans le privé, un peu en auto-entrepreneur, un peu en directeur, en dirigeant d'entreprise, un peu en salarié. Ça, la réalité juridique ne permet pas de l'appréhender. Donc on discute avec les syndicats, avec ces plateformes, avec les employeurs traditionnels, à ce que sera à l'avenir. Et puis il y a un dernier grand sujet sur la souveraineté, c'est les contenus violents et les contenus illégaux en ligne. Aujourd'hui, moi, je suis bouleversé à chaque fois que Jack, le patron de Twitter, fait son tweet pour dire « on vient de mettre à jour nos règles de modération de Twitter ». Et en fait, c'est formidable, c'est-à-dire que ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire sur Twitter est mis à jour par son PDG assez régulièrement sous forme d'un communiqué par un tweet où il nous annonce le prochain PDF. Et ouais, ça me rend fou, parce que vous vous rendez compte qu'il décide si on est un peu plus tolérant sur les paroles antisémites, si on est un peu plus tolérant sur la nudité, si on... Et donc, aujourd'hui, c'est en fonction des valeurs d'un groupe très restreint de personnes, c'est même pas le groupe culturel les États-Unis, c'est les créateurs de cette entreprise et les dirigeants de cette entreprise qui décident si on a le droit de dire telle ou telle chose. Moi, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment que on amène très vite le débat au bon niveau, sinon on va finir comme ce qui vient de se passer en Allemagne. Les Allemands en ont eu marre de discuter. Ils ont fait une loi nationale qui contrôle très fort. Les députés viennent de nous rendre un rapport au Premier ministre et à moi-même sur les contenus violents en ligne et sur les paroles de haine en ligne, qui nous invitent à immédiatement prendre des mesures nationales. La réalité, c'est qu'il faudrait qu'on ait immédiatement au niveau européen la capacité à mettre en place une nouvelle réglementation, mais qu'il faut inventer. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut l'inventer parce qu'il faut qu'on invente c'est quoi la façon démocratique, agile, nouvelle, multipartite de définir ce qui est autorisé et pas autorisé, de décider que ce contenu n'a pas sa place ou a sa place, sans jamais en atteindre aux droits d'expression et aux libertés fondamentales. Bon, comment on répond à toutes ces questions pour chacun des cas particuliers qu'on rencontre aujourd'hui ? Ben, c'est pas simple. Et c'est pas simple, et chaque solution caricaturale est dangereuse. Donc c'est pour ça que ces états généraux, ils sont là. C'est pour entendre les voix de chacun et pour avancer. Objectif novembre prochain, 12 novembre prochain, c'est l'Internet Governance Forum qui a lieu en France. Donc il y aura plusieurs milliers de gens du monde entier qui sont les spécialistes de la gouvernance de l'Internet dans le monde qui seront à Paris. Avec le président de la République, on a invité tous les chefs de gouvernement et les ministres en charge de ces sujets à aussi être présents. Et on veut que la France puisse avoir une parole sur chacun de ces thèmes qu'on vient d'aborder. Ensuite, on veut réunir autour de nous une dizaine de pays européens pour faire une espèce de manifeste Eurotech 2024 qui sont les chantiers numériques prioritaires
que nous identifions pour la prochaine commission et le prochain Parlement. Parce qu'il y a des élections, il ne faut pas l'oublier, on les oublie ces élections, qui arrivent dans quelques mois, qui vont nommer un nouveau Parlement, qui permettra une nouvelle commission. Et donc en septembre 2019, on a des personnes qui vont nous représenter, qui vont traiter de tous ces sujets. Ben, nous, on voulait, avant tout ça, leur préparer ce qui est pour nous une urgence et leur faire cette liste-là. Donc c'est ça qui s'annonce pour nous. Vous avez parlé justement des actes antisémites et de la haine qui aujourd'hui se déverse assez fortement sur Internet. Hier encore, à HEC, ont été retrouvés des tags antisémites dans les locaux. Aujourd'hui, les grands réseaux sociaux ont des règles de modération avec des quotas qui sont signalés sur les choses antisémites, mais il y a une problématique quand il s'agit de supprimer le contenu. Quand on a des contenus qui sont racistes et qui sont avérés, aujourd'hui, on a encore des sites comme le site d'Alain Soral qui est condamné environ tous les 6 mois à de la prison ferme pour incitation à la haine, racisme, ce genre de choses. Mais on a pas de disparition de ces sites. Comment on fait ? Alors, vous êtes sympa de dire que ça marche assez bien sur Twitter, ça marche pas assez bien, pas encore. Le dernier rapport de Laetitia Avia, la députée, Karima Mellal et Gilles Taïeb est très sévère vis-à-vis de différentes plateformes. Il l'est encore plus avec d'autres sites, plus petits, de taille moyenne, qui sont même idéologiquement contre l'idée de supprimer ces contenus. Et ensuite, là, vous parlez, ça c'est un vrai sujet, hein, sur le blocage de l'accès à certains sites. Et on ne va pas parler de celui que vous avez abordé en particulier, puisque et la police et la justice sont amenés à se prononcer sur leur cas chaque mois, puisque chaque mois, ce monsieur franchit à chaque fois la ligne rouge, mais de façon plus ou moins subtile. C'est-à-dire que quand il a un peu bu, il décide d'aller insulter très fort, et là, il sait qu'il va se faire attraper et qu'il va se faire condamner. Et quand il est un peu plus subtil, il essaye et il frôle, ce qui est toujours très compliqué, dans l'insinuation, dans l'évocation, dans... Ce sujet de la liberté d'expression et de la, contenu et de la phrase haineuse et du contenu haineux, c'est un sujet traditionnel de droit de la presse. C'est un sujet traditionnel de liberté d'expression. Sauf qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et aujourd'hui sur Internet, il prend une nouvelle forme. Et donc, il faut qu'on soit capable de réinterroger nos modes d'intervention, il faut qu'on soit capable de réinterroger nos modes de contrôle. Ce qui est compliqué, c'est que si on dit l'État a un bouton qui permet de désactiver, de filtrer l'Internet français et d'enlever l'accès à un site, que me diriez-vous ? Bonjour, monsieur Majoubi, vous êtes donc le premier gouvernement à avoir fait le filtrage général de l'Internet, comment vous sentez-vous ? Un truc comme ça. J'ai des homologues dans certains pays avec qui on parle de l'Internet, il me fait, et je ne vous dirai pas quel pays, mais un qui m'a dit « Oh ben oui, mais c'est parce que vous posez beaucoup trop de questions. Nous, comme on n'a que 2 opérateurs nationaux et que c'est nous qui les contrôlons, on décide ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas. » Je dis « Bon, ce n'est pas vraiment notre version de l'Internet à nous. » Mais c'est le moment où tout s'équilibre, là. Les droits et les libertés fondamentales et en même temps la liberté fondamentale de ne pas se faire insulter pour ce qu'on est ou pour ce en quoi on croit. Et donc, aujourd'hui, on a des cas tellement graves sur les victimes, on a des cas tellement graves sur les personnes. Et quand on voit certains pays qui, aujourd'hui, sont prêts à élire à leur tête des personnes qui, elles-mêmes, ont été des homophobes notoires et qui vont pouvoir maintenant s'exprimer tous les jours à la télé et sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ce sujet de protection, mais liberté en même temps, eh bien, c'est celui qu'on doit réinventer. Et moi, je crois que la solution, elle va être technologique et elle va être humaine. La seule façon de répondre à ça, c'est des gouvernances intelligentes et c'est des contre-pouvoirs internes. Il faut qu'on puisse interdire plus facilement, il faut qu'on puisse bloquer plus facilement, mais il ne faut pas que ce soit entre la main d'une seule personne. Si c'était dans la main d'une seule personne, alors on fait courir un risque trop important à la démocratie. Mais si on crée une gouvernance intelligente, transparente, qui explique quel contenu, quel site a été interdit, qu'il y a des contre-pouvoirs qui permettent de s'opposer à cette fermeture, qui permettent de l'expliquer, d'en débattre, etc., alors on peut le faire. Mais tant qu'on a un système aujourd'hui où c'est soit l'État, soit un juge, soit la police qui enquête, un État qui décide, un juge qui intervient pour condamner, on est dans une non-fluidité qui empêche de correspondre à la réalité des pratiques de ce monsieur dont vous venez de parler et des autres, qui est que quand vous bloquez l'adresse IP de leur site, ben, ils ne sont pas bêtes, ils vont réhéberger ailleurs très rapidement. Et donc très rapidement, c'est à nouveau en ligne. Et nous, on utilise nos vieux outils du droit qui font qu'on va remettre 6 à 12 mois pour les refaire condamner. Et donc ça, c'est terrible. Mais de l'autre côté, je ne veux pas vous dire que moi, je m'engage à avoir un bouton dont seul le ministre de l'Intérieur aurait l'accès, qui permettrait de les suivre et dès qu'on les repère, de les bloquer. Et en même temps, sur Twitter, c'est ce que j'aimerais faire sur les contenus. Parce qu'il y en a qui sont très immédiatement identifiables comme antisémites, comme racistes, comme homophobes. Et Twitter va dire « Ah non, celui-là, je ne trouve pas, non ».
Et donc, comment on répond à ça? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait un report sur Twitter? Ah merde, on n'est que deux. Bon, moi j'en ai fait une centaine, donc je peux en distribuer à quelques-uns si vous voulez. Faites-le parce que vous allez voir comment est le process. En fait, dès que vous faites un report, vous avez immédiatement un mail qui vous dit « Vous venez de reporter ce tweet, nos équipes vont le regarder. » Et quelques minutes à quelques heures après, vous avez la décision qui arrive dans votre boîte mail. Mais pas d'appel, pas d'explication. Hein. Donc hier, par exemple, je me fais insulter, une phrase assez belle qui était « Si je veux t'arracher les cheveux et te brûler en place publique, ce n'est pas parce que t'es pédé. » Donc moi, je me dis « Quand même celui-là, je trouve qu'il ne devrait pas exister. » Et je voudrais qu'il soit retiré. Je trouve que quand même, il y a pas mal de choses à l'intérieur qui sont là-dessus. Et Twitter me répond donc très poliment au bout d'une heure. Monsieur, ce tweet n'enfreint pas les règles générales de Twitter, et donc nous n'allons pas le faire. Voici quelques recommandations pour vivre sereinement sur Twitter. Vous pouvez bloquer cette personne, la muter, ou vous abonner à des contenus plus positifs. Donc, ça par exemple, je trouve que c'est un mal fonctionnement de... Tout à l'heure, vous avez été sympa avec eux. Je trouve que c'est quand même un mal fonctionnement de Twitter. Mais vous vous rendez compte, c'est eux qui décident des règles, c'est eux qui opèrent la procédure, et c'est eux ils sont les seuls à savoir. Et donc, toute la philosophie de ce qu'on est en train de mener là, avec un objectif, c'est d'avoir des solutions dès le premier trimestre 2019, c'est comment il y a plus de transparence, plus d'ouverture dans la gouvernance, et plus d'efficacité au final. Justement, avec la nouvelle loi qu'on a fait que vous avez votée sur les données, il y a maintenant un data officer dans chaque entreprise. Est-ce que, parmi toutes les données qu'ont ces entreprises, qui leur donnent aujourd'hui ce pouvoir, est-ce qu'on n'a pas un souci de sécurité qui pourrait être majeur, justement parce que ces entreprises, aujourd'hui, elles ont des informations sur à peu près tout le monde, et depuis des années. Parce qu'on parle de la donnée aujourd'hui, mais Google, ça fait 20 ans ou 15 ans qui stocke les données. Et là-dessus, j'ai encore une nouvelle question à vous poser. Qui est allé sur l'espace de rapatriement de ces données Google ? Non, mais pour tous les autres, vraiment, s'il vous plaît, allez-y. Et allez sur mon compte Twitter pour le faire. C'est passionnant. C'est-à-dire que pour respecter RGPD, qui est le Règlement Général pour la Protection des Données, Google a mis en place un outil qui vous permet de naviguer et de télécharger 100% des données personnelles qu'il a sur vous. Et bien, je peux vous dire que c'est bouleversant. C'est-à-dire que moi, j'avais laissé activer pendant près de 7 ans. Je l'ai désactivé dès que je suis rentré en campagne. Donc, vous savez, ça n'avait pas très longtemps. Ça fait 2 ans, et l'intégralité de mes déplacements dans le monde, 7 jours sur 7, heure par heure. C'est-à-dire que j'avais laissé activer l'option dans Android, mais qui était formidable, parce qu'en revenant de vacances, j'étais capable de voir tout ce qu'on avait parcouru sur telle île, tout ce qu'on avait parcouru dans tel pays, c'était génial, etc. Sauf que je me suis rendu compte en téléchargeant que ça était donc dans une base de données quelque part. C'est-à-dire 7 ans de ma vie entière là-dedans. Les historiques de recherche. Je suis sûr qu'il y a plein d'historiques de recherche que vous n'auriez pas envie de retrouver. Il y a des informations sur tous les commentaires que j'ai pu faire sur Google+. D'ailleurs, j'avais oublié que j'avais Google+. Tout le monde fait ce truc-là. Vous avez peut-être jamais connu Google+, peut-être. Si ? Ah, bon, quand même. Mais Orkut, non ? Ah non. Parce que Orkut était un réseau social qui a racheté Google à l'époque. Mais pareil, tout le monde avait oublié qu'ils avaient eu un jour un compte là-dessus. En regardant les données que vous mettez, vous vous rendez compte de tout le danger qu'elles pourraient avoir. Vous vous rendez compte aussi que parfois vous les avez données volontairement, parfois elles ont été collectées, mais jamais involontairement, c'est juste que vous avez dit oui facilement. Quand on installe un téléphone Android, je pense qu'aucun d'entre vous n'a vraiment lu la liste de toutes les données que vous avez accepté de transmettre. En même temps, vous avez vu le service incroyable que ça vous donne. La raison pour laquelle ces gens-là vous collectent des données, c'est pour vous rendre des services de très haute qualité. Et vous avez tous dit oui. Moi, j'ai dit oui depuis longtemps. Et donc, le grand sujet aujourd'hui, sur France Inter, la semaine dernière, j'ai dit « chacun est responsable de ses données ». Ah, je me suis fait engueuler par tous les idéologues de la protection des données qui disaient « Bah non, hello mec, il y a eu RGPD depuis... » En disant « Non, on n'est pas chacun responsable, c'est chacune des entreprises qui en serait responsable. » Bah oui, RGPD dit que chacune des entreprises est responsable. Mais moi, je le répète, vous êtes chacun responsable de ce que vous avez donné à ces entreprises. Est-ce que vous vous sentez complètement à l'aise de laisser entre les mains de quelqu'un d'autre toute cette partie-là de vous ? Aujourd'hui, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas de modèle alternatif. On nous a dit, si on veut avoir des services web de qualité, ils sont obligés de collecter cette donnée personnelle pour nous rendre des services à très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, ça a mis du temps, il y a toute une philosophie du MyData et une philosophie d'architecture web qui est portée par Tim Berners-Lee
qui est un des fondateurs du World Wide Web et des standards du World Wide Web, qui est l'architecture solide. L'architecture solide, elle est assez intéressante parce que, au lieu de dire je suis un service en ligne, pour te rendre ce service, je collecte des données sur toi, que je stocke chez moi et que j'utilise pour te les rendre, eh bien, on va dire qu'il y a des données particulières qui sont les données personnelles que je ne vais jamais stocker chez moi, mais moi, plateforme, vais stocker tes données chez toi. Et en fait, l'architecture solide, c'est que quand vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous ne mettez pas juste votre compte, vous dites, au fait, voilà mon dépôt de données personnelles à moi, tout ce que tu vas stocker par moi, tu le mets dans mon dépôt. Et tu le mets chez moi, et tu le mets nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, quand moi, je déciderai de ne plus être en service avec toi, tout ce qui a été déposé dans cette boîte-là reste à moi. Et moi, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre. Ce type d'architecture-là, si ça devient la nouvelle norme du web, ce serait de nature à bouleverser tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. Moi, si on me racontait que c'est dans mon repository personnel que 100% de mes déplacements sont stockés, multi-application, multi-tout ce que tu veux, Google Maps, je me sentirais pas trop mal. Ce sera à moi de trouver le bon prestataire pour me l'héberger. Si je me sens le plus fort du monde, je l'héberge tout seul, mais je te déconseille. N'importe quel off-cloud sera mieux sécurisé que ce que vous installerez vous-même, sauf si vous êtes vraiment très très fort. Mais je ne doute pas qu'il y ait des gens très très forts ici, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un en cybersécurité? Est-ce que certains d'entre vous sont passionnés par la cybersécurité? Merci monsieur. Vous pourrez donc nous sécuriser tous. Cette architecture-là, pour moi, serait la grande révolution. Donc, à l'heure de l'IGF, au mois de novembre, j'espère qu'on aura avancé sur ces sujets, mais je crois que tout ce qui sera de nature à changer la configuration de qui possède les données, de qui stocke les données, de qui en a la maîtrise, de qui en a le contrôle, le transfert, l'exploitation, sera de nature à rééquilibrer la donne dans cet espace numérique global. Alors, le temps passe. Désolée. Le temps passe un petit peu. Il y a un autre sujet qu'on voulait vraiment aborder avec je vous. Regarde juste si je suis encore ministre. Pas de nouvelles. Très bonne blague. Il y a un dernier sujet, justement, c'est le sujet de la politique qu'on voulait aborder avec vous. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas vous poser de questions sur la mairie de Paris. On a plus envie de vous poser des questions sur vous ce soir. C'est sympa. Donc, vous êtes devant une assemblée d'ingénieurs qui sont plus ou moins intéressés par la politique. On en parle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique, on a beaucoup de Sciences Po, on a beaucoup d'ENARC, on a quelques HEC, ENA, Sciences Po. Quelques-uns. Mais en revanche, on ne trouve pas beaucoup d'ingénieurs. Et on se posait la question avec Raphaël, mais comment ça se fait? Est-ce que vous n'auriez pas des tips, des petits conseils? Comment se mettre à la politique ici en école d'ingénieurs? Eh bien, je crois que ce n'est pas parce que l'ingénieur ne sait pas qu'il ne fait pas de politique. Je crois même qu'il en a compris beaucoup de ces mécanismes et que peut-être ça ne l'intéresse pas. Donc je veux surtout convaincre les ingénieurs et les ingénieurs qu'ils ont un rôle politique et que la politique, c'est quelque chose d'assez beau. Alors après, avec moi, c'est vrai que j'ai fait Sciences Po, mais n'oubliez pas que je suis avant tout technicien réseau, que je l'ai été pendant 8 ans, que c'est mon premier travail, celui que j'ai le plus exercé. J'ai plus été technicien réseau que ministre, j'ai été plus technicien réseau que député, et que j'ai le CAP cuisine, et que donc on peut aussi faire la politique comme ça. Ah, c'est votre micro qui était... Oui, je crois qu'il est con. Pourquoi les ingénieurs ne viennent pas? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait ontologique à l'ingénieur sur la raison pour laquelle il ne vient pas? Bon, je crois surtout que les autres y viennent parce qu'ils sont formés aux codes qui font que l'on prend du plaisir à conquérir et à faire reconnaître... En fait, vous savez, conquérir le pouvoir, c'est un mot qui sonne un peu sale, un peu fort. C'est juste la conquête pour se faire entendre et faire valoir ses idées et ce en quoi on croit. Donc on peut appeler ça la conquête du pouvoir, on peut appeler ça la conquête de la conviction, on peut appeler ça la conviction universelle. Ce sont des gens qui veulent avoir raison, mais parce que, alors quand ce sont de bons politiciens, parce qu'ils ont réfléchi au monde et qu'ils ont envie que leur vision du monde puisse s'incarner dans la réalité de leur pays et que ce soit porté au plus haut niveau. Si ce sont de mauvais politiciens, leur seule volonté est donc de se faire entendre, de conquérir le pouvoir, et quand ils arrivent au pouvoir, ils ne savent plus pourquoi ils sont venus, donc ils ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est très dangereux. Et donc,
quand Emmanuel Macron a créé son nouveau mouvement, à l'époque, l'hypothèse qu'on avait posée, c'est qu'on avait la volonté absolue de changer le personnel politique. C'est pour ça que quand on a voulu présenter des candidats aux législatives, on a fait quelque chose que tout le monde avait trouvé bizarre. On a ouvert les candidatures à tout le monde. Et on a dit, si vous croyez dans notre socle de valeurs, si vous croyez dans notre programme, bah nous, on aimerait bien qu'il y ait une très grande diversité des Français qui y soient représentés. Résultat, quand même, je veux que vous l'ayez en tête, il n'y a jamais eu autant d'ingénieurs à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais moi, j'en connais à titre personnel près d'une quinzaine. Ça n'est jamais arrivé. On a... D'ailleurs, je le disais souvent, vous savez, avant, il n'y avait qu'une seule femme noire députée. Donc quand on disait, tu sais, la députée noire, tout le monde pouvait dire, mais si, tu sais bien, c'est Seba Dagoma. Aujourd'hui, quand vous dites, tu sais, la députée noire, tu es obligé de dire, ah, tu veux dire celle qui est ingénieure du Sud, là-bas, vous êtes obligé de préciser. Et ben, c'est pareil sur les ingénieurs, tu ne peux plus dire celui qui est ingénieur télécom. Il y en a trois, les ingénieurs télécom. Donc ça, je crois que c'est déjà en train de se transformer. Mais pourquoi est-ce que ces ingénieurs... conquièrent moins régulièrement que les autres le pouvoir? Parce que ces gens qui, au fond d'eux-mêmes, adorent se faire entendre et n'ont pas peur d'y aller. Traditionnellement, mais c'est culturel, hein, sont orientés assez tôt vers certaines filières. Et celui qui parle bien, celui qui parle fort, il se dit qu'il ferait bien avocat. Après, il se dit qu'il ferait bien avocat ou maître du monde. Et donc, ils font soit avocat, soit l'ENA. Et l'autre, à côté, qui se dit ben, « Moi, je veux juste trouver des solutions à tous les problèmes du monde, aussi. » Mais je trouve que la technique est la meilleure solution pour le faire. Et moi, je crois que ça se tient ensemble. Moi, j'ai une chance incroyable, je dirige le service de numérique interministériel, qui est le service interministériel auprès du Premier ministre, qui s'occupe des parcours et des carrières de tous les ingénieurs numériques de l'État pour créer une vraie fluidité entre ceux qui travaillent à l'armée, dans le renseignement, pour la création des nouvelles infrastructures, des nouveaux services, des services publics de demain, et de se poser la question de comment ces ingénieurs-là, qui sont partout dans l'administration, eh bien, ils puissent aussi être ceux qui demain décident, qui demain auront une place de plus en plus importante. Ce qui m'a rassuré, c'est de voir qu'il y a énormément d'ingénieurs dans la fonction publique. Donc il y a énormément d'ingénieurs qui croient très fort à l'État et qui croient très fort à l'intérêt général. Ce que je vois aussi très fort, c'est que le mouvement Tech for Good, le mouvement des start-up qui cherchent à avoir de l'impact sur la vie et sur la planète, il est très important et il est massivement porté par des ingénieurs. Donc l'ingénieur a toujours cette idée qu'il est là pour les autres. L'ingénieur qui n'est pas là pour les autres, le problème qu'il va avoir très vite, c'est qu'il sera exposé à des problèmes très pauvres. C'est-à-dire que les problèmes qui ne concernent pas les gens et qui ne concernent pas la planète et que vous tentez de résoudre, bah ce sont les vôtres. Donc ils ont peu vocation à transformer le monde autour de vous. Donc en fait, le bon ingénieur qui part au défi et à la conquête de tous ces grands problèmes-là, en fait, il est politique. Et la seule chose qu'il faut qu'il se dise, c'est qu'il a le droit de se présenter, qu'il a le droit de se faire entendre, qu'il a le droit d'utiliser la méthode de l'ingénieur et les arguments de l'ingénieur face à celui qui utiliserait celui de la rhétorique. Et que c'est très intéressant, un débat entre un ingénieur et quelqu'un qui ne serait pas allé dans la profondeur d'un sujet. Vous savez, moi, je demande à tous les gens dans mon cabinet de travailler à la fois dans l'exhaustivité intégrale de tous les scénarios et en même temps de simplifier dans une parole politique compréhensible. Eh bien, c'est un exercice intéressant et je pense que l'ingénieur peut y jouer un rôle important. De manière plus générale, il y a très peu d'ingénieurs en politique, mais on a l'impression qu'il y a globalement dans la jeunesse un désintérêt de la politique, et on voit bien les chiffres de l'abstention à toutes les élections, et je pense qu'aux européennes, ce sera également le cas, je ne l'espère pas, mais aujourd'hui, les jeunes ne vont plus voter, ne s'engagent plus. On voit bien que les chiffres, que ce soit des syndicats, CFDT, CGT, diminuent, des syndicats étudiants également. Quelle est notre réponse? Est-ce que c'est vraiment parce que la jeunesse est déconnectée de la politique? L'inverse? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est rassurant, c'est un autre chiffre, c'est l'engagement dans les associations. Celui-là, il n'a jamais baissé et il continue d'augmenter. L'autre truc qui est rassurant, c'est l'engagement non formalisé, c'est-à-dire sans appartenir activement à une association, à quoi j'ai participé récemment, une cause en ligne, une marche, une cause du quartier où j'ai participé à une solidarité ponctuelle. Ça ne change pas, voire ça augmente très fort dans la nouvelle génération. Il y a un livre qui a été écrit par un ami, ce livre s'appelle New Power, Jeremy Emmons, qui a été publié il y a quelques semaines. Et dans New Power, il fait toute l'analyse de qu'est-ce que c'est que le nouveau pouvoir aujourd'hui et demain, mais surtout, qu'est-ce que c'est même le pouvoir et le sens du collectif dans cette nouvelle génération. Et il y a cette idée que les dispositifs démocratiques actuels, la politique et ses différentes cérémonies régulières que sont les élections,
ne satisfont plus l'envie de chacun dans la capacité à avoir de l'impact autour de lui, à maîtriser les causes dans lesquelles il s'engage. Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier quand même une démocratie. C'est-à-dire qu'on fait des débats généraux sur une vision globale de la société, ensuite on reçoit un mandat pour 5 ans pour traiter de l'intégralité de tous les sujets qui concernent le pays. Bon, bah c'est sûr que c'est peu lisible. Si on devait découper en causes et en pétitions 100% du travail de la majorité parlementaire et du gouvernement pendant 5 ans, ce serait plusieurs milliers de causes et de pétitions qu'il faudrait faire. Moi, je crois que la vérité, elle est entre les deux. Moi, je suis issu plutôt de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis le plus jeune, l'un des plus jeunes de ce gouvernement, mais bien plus vieux que vous. Et donc, je suis le pont entre votre génération et celle d'après qui est majoritairement au pouvoir. Et je crois, comme tous les gens, que ma génération a raison, et qu'elle est justement la génération de synthèse, et que ces nouveaux modes de pouvoir, ces nouveaux modes de décision ensemble, de construire ensemble, d'engagement collectif local, d'engagement collectif régulier, de décision et d'ouverture et de transparence, on peut les accommoder et on peut les lier au rythme que demande la démocratie. Un pays de 60 millions comme la France, un continent de 500 millions comme l'Europe, a besoin de prendre des décisions tous les jours et toutes les semaines. Donc il y a bien un moment où il faut qu'on fasse confiance à des gens pour les prendre pour nous. C'est important, on ne peut pas faire autrement. Par contre, est-ce que ça veut dire arrêter de demander l'avis ? C'est là que je pense qu'on peut transformer les choses. La consultation citoyenne, on est en version 0.01, quoi. On est en version hyper alpha. Toutes les consultations citoyennes en ligne qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, c'est le niveau zéro de ce qu'on va vraiment faire demain. Et c'est à ça qu'il faut qu'on soit capable de travailler. Moi, je crois qu'entre la pétition permanente et la distance permanente, il y a quelque chose qui pourrait être le gouvernement actif, la décision active, d'implication régulière des citoyens sur chacun des sujets, notamment ceux qui les intéressent le plus. Et ça, ce sera de nature à transformer, à rendre plus intéressant la politique. Mais vous avez raison, là, il y a les élections européennes. Personne n'a compris vraiment comment l'élection qu'on allait avoir en mars... allait avoir de l'impact sur le Parlement, que ce Parlement permettrait de la désignation d'une commission. Quel est le travail entre la Commission, le Parlement et le Conseil d'Europe ? Et est-ce que quelqu'un ici est capable de dire qu'il est très très clair sur comment ça fonctionne, le triptyque Commission, Conseil, Parlement ? Ouais. Moi, il m'a fallu un peu de temps aussi. Et pourtant, je suis diplômé en droit de Sciences Po et je suis ministre. Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre comment ça fonctionnait. Je crois vraiment qu'on a un véritable sujet sur l'implication et la transparence, mais que ça peut se résoudre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Elisa, une dernière question peut-être ? Oui, c'est bon, ça fonctionne. 18h45, peut-être une dernière question ? Après, on passe aux questions-réponses. On va en faire, ça va aller très très vite parce qu'on est un peu out of line. Mais peut-être dernière question, un peu touchy, un peu provoque. Juste pour terminer sur une belle touche. On hésitait à la poser avec avec Raphaël. Je me pose la question. Non, il ne s'appelle pas Alex. Hein. Il y a juste une tête à s'appeler Alex. Non, on se posait la question avec Raphaël. Est-ce qu'on la pose ? Est-ce qu'on ne la pose pas ? On va la poser. Vous nous avez lancé une magnifique perche, on est obligé. Tout à l'heure, vous avez cité ce terrible tweet « Nul besoin de le répéter ». Mais vous avez quand même terminé par quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'une orientation sexuelle qui n'est pas la majeure partie, on croit. Voilà. Vous êtes homosexuel. N'ayez pas peur de le dire, oui. Voilà. Et en même temps, vous êtes arabe. Les deux à la fois. Vous êtes d'origine arabe. Et alors, là, on arrive à une question, c'est, waouh, vous combinez quand même les deux. Et vous êtes quand même ministre. Non, je vous avais prévenu. Dites-moi hein, quelle est la question, là. Mais alors, la question, c'est est-ce que ça a été une force ou une faiblesse ? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'irait pas vers ces modèles, peut-être diversifiés ? Aujourd'hui, on est devant une assemblée, beaucoup d'hommes blancs, vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit comme ça. Moi, je vais le dire comme ça, alors. Et alors, du coup, voilà, c'est ça la question. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas vers cette diversité et comment avoir cette diversité ? Est-ce que ça a été, ça a été une chance pour vous ? Est-ce que vous l'avez voulu ? Ça a été beaucoup de travail, vous l'avez dit ? Voulu quoi ? Parce que l'être, ça, je ne vais pas... Ah, ça, on sait. Est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là, en fait ?
C'est bien, vous commencez par la biographie, puis vous me faites parler de l'international numérique, et à la fin, vous revenez quand même aux bases, quoi. On va se dire un peu la vérité. Grandir dans une famille pauvre, en étant arabe, homosexuel, arriver dans la vie active, non, ça n'est pas un avantage. C'est plutôt plus compliqué que la moyenne. C'est plus compliqué pour acheter son premier ordinateur, c'est plus compliqué parce que vos parents, eux, ont qu'une envie, c'est que vous ayez un boulot le plus vite possible. Donc eux, ils adoraient l'idée que je fasse des études courtes et que j'ai un job tout de suite. Et quand j'ai fait des études, ma mère était quand même très contente. J'ai Sciences Po, elle est encore plus contente. Elle croit qu'elle a d'ailleurs dit à tous les voisins que j'allais être avocat international. Et là, je lui dis, je vais être entrepreneur. Et elle a continué à mentir à tout le monde. Elle dit, non, il est avocat, mais on ne le voit pas beaucoup, c'est pour ça. Donc, faire le choix d'être entrepreneur était aussi un truc pas possible. Vous arrivez en politique, vous n'avez que des hommes, plutôt des hommes issus de CSP+, et surtout des hommes qui parlent très fort. Donc non, ma première réunion au Parti Socialiste à 18 ans n'était pas très agréable. Mais il y a un endroit dans le monde où moi je me suis épanoui, ça a été magique et ça a été transformatif, c'est la CFDT, c'est le syndicat dans lequel j'étais délégué syndical pendant 8 ans. Parce que si vous ne l'avez jamais connu, les syndicats, on entend les syndicats ce que c'est dans la rue, on entend ce que c'est dans les manifs, on entend ce que c'est en cas de grève. On oublie de dire que c'est aussi un truc un peu particulier, la représentation des salariés. Jusqu'à la Confédération, c'est-à-dire les 10 qui dirigent nationalement, vous avez des gens qui n'écrivent pas parfaitement français, mais qui ont une conviction, c'est qu'ils sont là pour défendre leurs camarades, leurs collègues et les salariés. Et bien, rentrer dans des collectifs comme ça, extrêmement divers, avec des représentants des femmes de ménage, avec les représentants des cadres, avec les représentants des retraités, et de se dire, en fait, on vaut tous quelque chose de très fort, et c'est très bien qu'on soit tous là. C'est ça qui, la première fois, m'a donné la rage. Alors, c'est vrai que ça commence aussi plus tôt, j'étais délégué de classe, j'ai fait tout ça et tout ce que vous voulez, mais ce jour où je deviens délégué syndical, et où je gagne un grand conflit social dans la boîte où j'étais, le conflit social qui avait été lancé, c'est qu'ils avaient mis des téléphones à décrochage automatique. Vous vous rendez pas compte ce que ça fait dans un centre d'appel, mais du jour au lendemain, vous enlevez la liberté de la personne d'appuyer sur un bouton pour décrocher, et elle devient quasiment le prolongement de l'ordinateur. C'est plus l'ordinateur le prolongement d'elle, c'est elle le prolongement de l'ordinateur. Vous avez directement quelqu'un qui se décroche et qui raccroche à votre place. Et ça a rendu fou les gens, les arrêts maladie ont explosé, etc. Et donc, je me suis devenu délégué syndical, j'ai défendu mes collègues de l'époque, on a gagné. Et quand les gens vous disent merci et tout, un, vous pleurez parce que vous êtes un peu émotif et tout ça, mais deux, vous rentrez dans un état, tout à l'heure je vous ai parlé de l'état de l'entrepreneur, là je vous parle de l'état politique, de l'état de la représentation, de quand vous avez l'impression que vous avez été plus fort que le système parce que vous vous êtes unis, ce truc-là, ça ne vous quitte jamais. Et ce jour-là, vous oubliez que vous avez été pauvre, arabe, homosexuel ou tout ce que vous êtes, vous dites juste que quand on se réunit tous ensemble, on est plus fort. Et ça, ça a fait que j'ai été désensibilisé tout le reste de ma vie. Donc c'est bien, c'est arrivé à 18 ans. Il n'y a personne qui peut me dire d'arrêter. Il n'y a personne qui peut m'envoyer balader. Le cuir a été fait. Et donc, c'est pour ça que c'est plus simple pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'après, ça a été presque plus simple. Quand vous avez eu vos premiers accros, c'est beaucoup plus simple. Ceux pour qui je me bats aujourd'hui, c'est pour tous les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une réalité de l'égalité des chances quand on vient d'un quartier populaire? La réponse est non. Donc ça veut dire que c'est encore un combat de conquête. C'est une conquête sociale. Les gens disent, est-ce qu'on a encore des conquêtes sociales? Ah oui, on a des conquêtes sociales. On a une pauvreté qui n'a jamais été aussi importante. On a des gens qui se soignent. On a des... Qu'est-ce que ça a dit? On n'a jamais eu autant de pauvreté, de gens qui se soignent moins que les autres, de gens qui ont moins accès aux études, des gens qui ont moins accès à certains emplois. Donc on a un combat majeur sur l'égalité des chances et c'est un combat qu'on doit mener. Et sur l'homophobie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 3 semaines, quasiment 5 agressions homophobes en plein jour à Paris. On est à Paris, capitale de la France, plus belle capitale du monde, capitale d'un pays développé, des agressions homophobes en plein jour, en pleine rue, parce que 2 filles ensemble, parce que 2 garçons ensemble. Donc évidemment que la question n'est pas finie. Et l'homophobie, c'est partout. C'est dans la famille, avec des familles qui n'acceptent pas parce que c'est trop compliqué pour elles, et qu'il ne faut pas stigmatiser non plus ces familles. Il faut essayer de les comprendre et de les convaincre. Et puis il y a des enfants de l'autre côté, ou des jeunes de l'autre côté, qui se prennent en pleine face les remarques désagréables en famille, les blagues à l'école, les blagues à l'université, les commentaires sur les réseaux sociaux, les phrases anonymes, En fait, j'entends pas ce que ça dit. C'est le talkie-walkie.
Ça, ces phrases-là, elles continuent toujours à habiter le quotidien des personnes. À force de se traiter de sale PD, de la maternelle jusque dans le supérieur, on normalise une phrase et on normalise un sentiment d'exclusion qui est inacceptable. Et donc, sur ces sujets, c'est pour ça que j'ai décidé de le dire publiquement. Te rendez compte, si je suis ministre, que je vous dis que j'ai le cuir et tout, et que moi, j'ai pas peur de m'exposer, comment on peut se dire que d'autres n'auraient pas peur? Donc, ce soir, avec mon mari, je serai au dîner d'État d'accueil du président sud-coréen. Pas nord-coréen, on lui fait pas encore de dîner d'État à lui, mais sud-coréen. Et on veut que les gens se... Par exemple, vous savez, dans la une de Paris Match, le plus beau compliment qu'on nous a fait, c'est en fait, vous êtes vraiment chiant. C'est-à-dire que, quand même, sur la photo, on passe notre week-end à ranger les livres de la bibliothèque. Eh bien, voilà, c'est très normal. Ça. Donc, à votre question, arabe et PD, est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Je vous réponds, bah non, en fait, c'est assez normal. Et mon rêve, c'est que tout le monde s'en fiche très prochainement. Mais ce n'est pas le cas. C'est notre rêve à tous, je crois. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup. Hyper inspirant. Alors, on va juste clore cette conférence par notre buffet traditionnel. Alors, en revanche, on ne va pas vous donner de quoi manger et remplir votre estomac, donc allez-y tranquille, il y en aura pour tout le monde, si tout le monde partage. Merci beaucoup encore. Merci à toutes et merci à tous. Merci Raphaël.